Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison, je ne sais pas qui elle est. Je suis entrée comme ça un jour, il n'y avait personne, seulement des piments rouges accrochés au mur blanc. Je suis restée longtemps dans cette maison, personne n'est venu. Mais tous les jours et tous les jours, je vous ai attendu. Je ne faisais rien, c'est-à-dire rien de sérieux. Quelquefois, le matin, je poussais des cris d'animaux, je gueulais comme un âne de toutes mes forces. Et cela me faisait plaisir. Et puis, je jouais avec mes pieds. C'est très intelligent, les pieds. Ils vous emmènent très loin quand vous voulez aller très loin. Et puis, quand vous ne voulez pas sortir, ils restent là. Ils vous tiennent compagnie. Et puis, quand il y a de la musique, ils dansent. On ne peut pas danser sans eux. Faut être bête comme l'homme l'est si souvent pour dire des choses aussi bêtes que bête comme ses pieds, gai comme un pinson. Le pinson n'est pas gai. Il est seulement gai quand il est gai. Et triste quand il est triste, ou gai, ou ni gai ni triste. Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un pinson? D'ailleurs, il ne s'appelle pas réellement comme ça. C'est l'homme qui a appelé cet oiseau comme ça. Pinson, 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 pinson. Comme c'est curieux les noms. Martin, Hugo, Victor, de son prénom. Bonaparte, Napoléon, de son prénom. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Un troupeau de Bonaparte passe dans le désert. L'empereur s'appelle Dromadaire. Il a un cheval caisse et des tiroirs de course. Au loin galope un homme qui n'a que trois prénoms. Il s'appelle Tim Tam Tom et n'a pas de grand nom. Un peu plus loin encore, il y a n'importe qui. Beaucoup plus loin encore, il y a n'importe quoi. Et puis, qu'est-ce que ça peut faire tout ça? Dans ma maison, tu viendras. Je pense à autre chose, mais je ne pense qu'à ça. Et quand tu seras entré dans ma maison, tu enlèveras tous tes vêtements et tu resteras immobile, nu, debout, avec ta bouche rouge, comme les piments rouges pendus sur le mur blanc. Et puis, tu te coucheras et je me coucherai près de toi. Voilà. Dans ma maison, qui n'est pas ma maison, tu viendras. C'était Jacques Prévert. On continue avec Prévert. Au hasard des oiseaux. J'ai appris très tard à aimer les oiseaux. Je le regrette un peu. Mais maintenant, tout est arrangé. On s'est compris. Ils ne s'occupent pas de moi, je ne m'occupe pas d'eux, je les regarde, je les laisse faire. Tous les oiseaux font de leur mieux, ils donnent l'exemple. Par exemple, Monsieur Glacy, qui s'est remarquablement courageusement conduit pendant la guerre, ou l'exemple du petit Paul qui était si pauvre et si beau, est tellement honnête avec ça, qui est devenu plus tard le grand Paul, si riche et si vieux et honorable et si affreux et si avare et si charitable et si pieux. Ou par exemple, cette vieille servante qui eut une vie et une mort exemplaires, jamais de discussion. Pas ça, l'ongle claquant sur la dent, pas ça, de discussion avec monsieur ou avec madame au sujet de cette affreuse question des salaires, non. Les oiseaux donnent l'exemple. L'exemple comme il faut. Exemple des oiseaux. Exemple des oiseaux. Exemple, les plumes, les ailes, le vol des oiseaux. Exemple, le nid, les voyages et les chants des oiseaux. Exemple, la beauté des oiseaux. Exemple, le cœur des oiseaux, la lumière des oiseaux. Je voudrais terminer ma trilogie sur Prévert avec ce nouveau poème que j'aime beaucoup parce que il me fait penser à quelqu'un qui m'est très cher et qui s'appelle Garance. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça,
Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire et n'y puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis. Je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qui m'est arrivé, oui, j'ai aimé quelqu'un. Oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer. 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 Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y puis rien changer.